Conférence de presse, c'est pour nous adresser nous directement avec syndicats diplomates, corps groupio, qui sortit pour bailler un coup d'État dans le pays, hein, avec un individu qui est Ariel Henry. Ariel Henry, pour nous-mêmes, est illégal. Parce que depuis 7 février 2021, Jacques Ndedil, constitutionnellement, mandat Jovenel Moïse était fini. Donc, décision que le prend depuis sous jour pour le dénommer lui, sans que le pas passer au Parlement, passer dans Claude Joseph, venir avec Claude Joseph était démissionné, lui reprend fonction encore. Pour nous demander de démissionner pour le bail Ariel Henry, nous ne savons pas qui formule que le passé pour le faire bail ça. Type de démocratie que la communauté internationale a ban nous, n'est pas imposable en Haïti. Il n'est pas passé. Nous ne pas Ariel Henry trop de temps, nous ne pas Ariel Henry trop de temps pour que lui vide les lieux. Parce que ce n'est pas possible. Dans le contexte pareil, côté que le président de facto Jovenel mourit, il n'a pas quitté aucune formule pour nous sortir de la crise et que pour nous faire d'appuyer sur le pouvoir comme ça. Nous demandons un large consensus. C'est peut-être ça que nous dit. La Constitution 1987, là, ça veut pour nous référer. Mais pourquoi? Lorsqu'il y a deux constitutions qui sont pour nous référer avec un texte qui est plus ancien. Donc c'est non amendé, c'est 1987 là, c'est là qu'on a besoin de solution. Et nous-mêmes dans la partie reconstruire Haïti nucléaire, nous disons nous aller vers la cour de cassation. Et le juge, n'a pas recevoir dans la cour de cassation, c'est le juge Madame Wendell Coctello. Parce que c'est le juge qui est plus ancien et qui valide. Si vous avez l'autre juge qui est ancien et que santé le patron répond, donc, vous devez faire avec le juge qui est plus ancien, tout, de suite en suite. Donc, les gens qui viennent tout de suite après le juge qui est plus ancien, c'est Mme Wendell Coq. Donc, nous clairons sur position. C'est une fois que nous gagnons un président, nous avons parlé de premier ministre. Pas qu'on ait premier ministre sans président. Ok, nous n'avons pas une constitution qui parle de ça. C'est le président qui désigne le premier ministre. Et bien, ça arrive tellement loin. Nous avons un problème pour nous renouveler juge dans le CSPJ. Donc, faut que nous prenions pile précaution. Moi, monsieur, je prends le moniteur. Sous compte ces journal, vous faites ça ou les avez. Vous sortez arrêter les idées audio. Et bien, dans le jour où vous là, nous parlons de béton qui j'en habillé. Et nous parlons déjà avec hypocrite qui est nous coup déjà. Qui connaît normalement, vous êtes supposé diriger vers la cour de cassation. Je te connais parfaitement qui juge pour te choisir, je te choisis l'autre. Je dis à nous tomber dans une situation où nous allons retourner mobiliser encore. Et bien pour nous retourner avec mobilisation, il faut venir faire mes culpa. Il faut dire militants, il faut dire peuple là. Ça me fait avant, je ne vais pas faire encore. Et là, ça, peuple a pardonné. Nous n'avons pas besoin de passer par quatre chemins. Même si Ariel ça a arrêté, l'irrété. Nous sommes tombés dans 7 février 2022. Pas qu'à pas gagner une transition dans le pays. La vraie transition, la fête, elle a passé par la cour cassation. Et juste qui a des conditions pour l'occuper là, c'est Mme Wendell Coq. Bon, nous avons déjà salué la presse. Parler écrit. Ça n'a pas dit nous-mêmes qui c'est coordonnateur national, bloc national des patriotes pour la libération d'Haïti. Je tiens nous venons annoncer la presse après mascarade la communauté internationale fin faire avec de facto Ariel Henry qui n'a pas aucun légalité. Et d'ailleurs, d'après Stanelika, qui n'a complot, qui assassiné Jovenel Moïse, qui était dans la même équipe avec elle. Je dis, messieurs, PHTK, avec la communauté internationale, ils ont une mission, c'est détruire Haïti. Et nous-mêmes, qui sommes peuple, qui représentons peuple,
nous bral envahi terrain légalement. Pour qui ça me dit nous bral envahi terrain légalement? C'est parce que d'après l'article 149 et l'article de la Constitution 158, il dit très clair Haïti, faut gain un premier ministre, faut gain un gouvernement qui gon président à la tête li, en concertation avec les secteurs privés, les partis politiques pour choisir avec président pour choisir premier ministre. Mais comme qu'on y a toute institution yo gon hémorragie institutionnelle qui gagne nèg yo crasé toute institution, et ben qu'on y a seul secteur crété comme institution légale, c'est peuple haïtien. Et ben peuple haïtien bral dans la Cour cassation légalement, il va choisir madame Kok. Pingam d'attendre au monde dit madame Kok de la Cour cassation pas légal. Non, c'est celle la Cour de cassation qui comme rete comme institution. C'est président Sylvestre qui mouri. Arrêté de facto Jovenel, de facto te prend ex-président les regrettés mémoire, ça fait mal en pile façon nèg criminel ça autouyel. Même quand il pas t'a réglé rien pour peuple haïtien, il t'a réglé un bagage pour un petit groupe bourgeois, mais ça fait nous mal quand même parce que yo humilié. De façon yo humilié là nous pas d'accord. Mais de facto décision de facto a te prend pour te retirer 3 juges de la Cour cassation, même quand il était légal, il pas de gain droit constitution, pas de bal droit pour changer juge de la Cour cassation. Et bien heureusement madame Kok son dame qui gain tout et identité intellectuelle li, li gen moralité li, li gen qualité li, li gen éthique li, li te fait yon rapport, li te pote plainte, li pas d'accord avec ça. Et mais pas le fait qu'elle pas d'accord avec ça, li te fait recours dans la justice. Et mais recours ça va tomber là pour tous les 3 juges.